attributs de Allah qui est la vie. Dieu, Allah, a pour attribut la vie. Cet attribut n'a ni commencement ni fin. Sa vie n'a pas de ressemblance avec celle des créatures. Il est vivant sans âme, ni chair, ni cœur. Ainsi, Allah n'est pas concerné par la mort. L'existence même de ce monde témoigne de l'existence du Créateur et qu'il est vivant. Dieu est vivant, Hay. La vie s'agissant de Allah Ta'ala est un attribut éternel exemple de début et éternel exemple de fin. Elle n'est pas comme la vie d'autre que lui. Dieu est vivant, mais il n'a pas d'âme, ni de chair, ni de sang, ni de moelle. Une preuve selon la raison que Dieu est vivant, ce que s'il n'était pas vivant, il n'aurait pas pour attribut la toute-puissance, la volonté et la science. Et si Allah Ta'ala n'avait pas ces attributs-là, il aurait pour attribut leurs opposés, l'incapacité, la faiblesse et l'ignorance. Or, ceci est une imperfection et Allah est exemple d'imperfection. De nombreux versets prouvent également que la vie est un attribut de Allah. Parmi les paroles de Dieu à ce sujet, il y a la ayah « Allahu la ilaha illa huwa al-hay » ce qui a pour sens « Allah, il n'est de Dieu que lui, al-hay, celui qui a pour attribut la vie » Sourate al-Baqarah, ayah 255. La raison témoigne de la véracité de la religion. La religion de l'islam est basée sur le Coran et sur les paroles rapportées du prophète. Quant à la raison, elle témoigne que tout ce qui est parvenu de la religion n'est pas absurde et au contraire acceptable. Tout ce qui est parvenu de la religion ne contredit pas la raison. Les attributs de Dieu sont confirmés par la raison. Ils sont donc obligatoires rationnellement, ce qui entraîne que les contredire constitue de la mécréance. N'oubliez pas de retrouver chaque vendredi nos nouveaux rappels vidéo afin d'augmenter vos connaissances. Barakallahu fikum wa assalamu alaikum.